Alors, je voulais aussi vous parler à propos de la libération des liens sexuels, parce que ça, c'est un passage avec Cristal, parce que c'est un passage vraiment, vraiment important, en tout cas pour moi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à pas uniquement dans cette vie-là, hein, il y avait beaucoup de choses à nettoyer de cet ordre-là, et qui, en tout cas, moi, me bloquait beaucoup dans mon enracinement. Il y avait un vrai blocage au niveau de l'enracinement par rapport à ça. Donc la libération de ces liens sexuels a été vraiment pour moi une libération. Dans mon corps, je l'ai vraiment senti aussi. Il y a vraiment un sens, un peu un sens d'accouchement en fait. Il y a eu vraiment des contractions d'accouchement et un sens... voilà, moins puissant que le vrai accouchement. Et encore, moi, j'ai eu la chance d'en avoir des très faciles, finger in the nose. Mais voilà, donc en tout cas, ça a été un passage aussi très important qui, moi, m'a beaucoup libérée. Et je pense que c'était une des clés essentielles dans ma libération, même si après, il y a eu tout un travail sur tout un tas d'autres espaces. Mais pour moi, en tout cas, c'était un passage clé. Qui m'a permis effectivement de me sentir beaucoup plus légère et beaucoup plus enracinée dans mon utérus et dans mon bassin, et de sentir une respiration à ce niveau-là qu'il n'y avait plus en fait, ou très peu.